Et salut à tous les amis, c'est moi Fouy aujourd'hui, nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais présenter la nouvelle petite boutique du 26 mai 2020. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, mettons les 5000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront, ça fait tellement plaisir d'être de plus en plus nombreux, merci à vous les amis. Donc aujourd'hui comme je vous ai dit, on a une nouvelle petite boutique avec une nouvelle pioche. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas aussi à mettre le petit code créateur, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà, c'est moi fou, XD-YTB dans votre petite boutique. Même si c'est grand à mettre et vous avez un peu la flemme, mettez-le quand même, ça fait tellement plaisir. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, nouvelle petite pioche, elle est là, elle est vraiment hyper stylée. D'ailleurs sur 10, mettez une petite note directement en commentaire et j'irai voir vos petits commentaires, que vous savez que j'adore aller voir vos petits commentaires. Alors, je dis, oh bah après ça sert à ça de mettre des commentaires, mais j'aime bien y répondre de temps en temps, donc n'hésitez surtout pas, comme ça je vous répondrai. Aussi les amis, à fin de la vidéo, je vous expliquerai quelque chose, je pense que ça va vraiment vous plaire, donc restez sur toute la vidéo, c'est très important, surtout à la fin. Après ceux qui ont la flemme, vous regardez la pioche, voilà qu'est-ce que je vais dire, et puis après vous quittez, vous revenez vers la fin, tu vois. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle petite pioche. Franchement, elle est assez stylée, un peu Star Wars, donc avec les petits lasers comme ça. Franchement, j'adore, parce qu'au niveau de là, regardez, ça fait déjà un petit peu d'électricité, on dirait un peu des éclairs, et ça, c'est plutôt bueno. Donc là, une petite pioche verte, donc vous voyez, là, on a le vert qui est tout là, un peu vert fluo, un peu comme dans les Simpsons, vous savez, le truc, la centrale nucléaire. Donc ça, c'est quand même assez stylé. Comme je vous ai dit, on a plein de petits éclairs comme ça, des petits effets, donc franchement, ça, c'est plutôt cool. Avec le petit manche genre couleur argent, donc ça c'est plutôt bueno, et là un petit laser pareil violet. Franchement je trouve ça hyper stylé, et en plus pour une fois qu'on a des mini pioches mais qui sont assez grandes, donc à voir en jeu qu'est-ce que ça donne. Bien sûr je l'achèterai pas parce que bon, 800 V-Bucks ça fait un petit peu élevé, j'aime bien garder mes petits V-Bucks tu vois. Mais c'est pour ça que je la teste directement dans la petite boutique. Donc c'est pour ça, si vous aimez bien, mettez un petit like. Objectif 10 likes. Franchement si tu mets pas de like, et ben franchement t'es vraiment un petit méchant. Et t'auras pas du bon dans ta vie, t'auras pas plein de cadeaux et t'auras plein de sous. Alors mets un petit like et comme ça tu seras baptisé et t'auras plein de pognon. Donc voilà, franchement une petite note sur 10, j'y mettrai du 8,5 sur 10. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous mettrez 1 ou 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ou alors 10 sur 10. À vous de voir, et bien sûr aussi si vous l'avez acheté, bien sûr avec le code créateur, hein, voilà, sinon ça c'est pas bien, c'est méchant. Donc 800 V-Bucks chapitre 2 saison 1. Donc voilà, j'attends vraiment vos commentaires. Ensuite on a le skin Piu Piu qui refait son petit retour. Ah non merde, c'est le sac à dos, je suis con moi. Le petit sac à dos qui est vraiment pas mal non plus, qui est assez stylé, donc voilà pour 200 petits V-Bucks. On a ce skin là aussi qui a fait son retour, chapitre 2 saison 2, voilà pour 800 petits V-Bucks, il est assez cool, il fait son taf, voilà voilà. Ensuite les amis, boum, le retour du petit planeur, Fat Food volant, 1200 V-Bucks, avec bien sûr le skin qui a fait son tour, Boss Burger, avec ses petites frites, voilà ceux qui sont dans le nord comme moi. Pour 1500 V-Bucks, d'ailleurs je l'avais acheté parce que voilà quoi, c'est la santé. Ensuite saison 5, 500 V-Bucks, une petite pioche voilà, qui est assez cool comme vous pouvez voir. Franchement j'aime bien, assez cool. Avant aussi, j'ai oublié de faire quelque chose, de la tester directement, voir un peu que ça donne. Le bruit. Ouais c'est pas mal, genre le bruit des petits éclairs. Franchement j'aime bien, c'est plutôt bueno. Voilà, j'ai oublié de vous montrer les poteaux hein. Parce que bon, s'il m'a testé directement la pioche directement dans la boutique, mais si tu la testes pas, c'est voilà, c'est du fake, comme les gens diront en commentaire. Ensuite on a une petite traînée, une petite revêtement d'armes là, qui est assez cool, pas mal pour 500 V-Bucks chapitre 2 saison 1, où là je bug. Ensuite un petit skin 2000 V-Bucks, voilà, ok, un petit skin comme ça qui est assez cool. Et la petite pioche qui est assez cool aussi pour 800 petits V-Bucks chapitre 2 saison 1. Ok ok, donc là boum, aussi un nouveau skin qui refait son petit retour. Regardez, de la saison 8 pour 800 V-Bucks. Bien sûr ce n'est pas nouveau skin hein, mais bon, il fait son petit retour. On a aussi un petit revêtement d'armes chapitre 2 de saison 2. Voilà, par contre lui c'est un skin assez récent. Donc voilà pour 500 petits V-Bucks pour ceux qui aiment bien. Franchement je le trouve pas très dégueulasse. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Une petite danse 500 V-Bucks de la saison 10. Bon par contre cette danse là je sais pas pour vous, mais elle fait vraiment cher, 500 V-Bucks c'est énorme. Surtout que voilà, pour 500 V-Bucks ça reste pareil. Parce que celle-là elle a 200 V-Bucks et c'est presque pareil quoi, la saison 9. Donc voilà, je trouve pas ça, voilà. Ensuite un petit skin qui refait son retour de la saison 9, voilà pour 1200 V-Bucks avec son petit sac à dos. Ok ok, et pour finir une petite pioche de 500 V-Bucks voilà, qui refait son retour de la saison 8. Et franchement je vous la conseille, parce que si t'es un joueur pro, même que t'es un joueur merde, et ben prends cette pioche là, comme ça les gens croiront que tu es un joueur pro, parce que les joueurs pro en général le apprennent, et ça c'est plutôt cool. Donc les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Aussi à la fin de la vidéo je voulais vous dire aussi les amis que j'ai créé un petit Discord, donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, j'ai mis le Discord directement en description. Et aussi si vous voulez jouer à
avec moi sur des maps inédites que j'ai jamais montrées sur ma chaîne YouTube et que vous verrez perse bah nulle part ou autre. Et franchement, il y a quelques petites maps, c'est vraiment des petites pépites que j'ai créées tout seul. Donc si ça vous intéresse, ne surtout pas me le dire. Et bien sûr, je crée de plus en plus de maps et que je vous ferai des vidéos sur les maps directement pour faire du Chibit Fight. Et je pense que ça va te plaire. Bien sûr, pour mettre égal, pied à égal, parce que moi je suis pas trop ouf en construction, c'est des maps où tu fais des combats directement, un peu comme la Zukiri et le Bouzeux. Mais je pense que ça va vous plaire quand vous allez voir la map, surtout une. Je pense qu'elle va faire un petit peu le buzz et que les gens vont jouer pas mal dedans là-dedans. Mais je vous montrerai tout ça directement dans une prochaine vidéo où je vous montrerai tous mes maps que j'ai créés. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important, et mettre un petit like, les amis.